Je vais inviter Guillaume Gauthier à rejoindre la scène, puisque l'une des premières actions qu'on a faites dans ce cadre, c'est de travailler pour une des commandes d'Interbev sur la feuille de route décarbonation et les actions de la filière face au changement climatique. Donc Guillaume est président de la commission enjeux sociétaux d'Interbev. Donc je te laisse la parole pour nous... Tu étais là déjà l'année dernière, hein, puisque tu précédais Marie-Yvonne sur ce poste de commission filière bovin-viande. Maintenant, tu es président de la commission enjeux sociétaux d'Interbev. Et donc, on va t'inviter à donner ton opinion, ton point de vue sur les actions d'Interbev en ce sens. Ok, eh ben merci. Bonjour à tous ou re-bonjour. Non, je disais en off que Marie-Yvonne le faisait beaucoup mieux que moi, ce qui est vrai. Je suis peut-être moins doué, mais c'était top ce matin. Non, en quelques mots, on ne va pas être très très long, mais effectivement, donc je suis effectivement éleveur, président de la commission enjeux sociétaux. Beaucoup de sujets en ce moment sur cette commission, notamment environnement, et puis sur le sujet qu'on va parler juste après, sur tout ce qui est planification écologique, affichage environnemental. Alors ça, on n'en parlera pas, mais c'est aussi un des sujets. Différentes réglementations européennes, et ça, on a pu faire quelques échos aussi. Non, juste effectivement redire qu'on est à la tête d'une filière française, d'une filière bovine française, qui est quand même, on va pas dire une exception, mais malgré tout une valeur sûre au niveau avec qualité de traçabilité, qualité de viande, qualité d'élevage. Et du coup, on a aussi un lien au sol qui est hyper important, qui est la prairie. Prairie qui est gage de biodiversité, qui est gage de filtration aussi, notamment pour l'eau, et on le voit très bien, hein, quand on superpose les deux cartes entre les zones d'élevage herbivore, les zones d'élevage de ruminants, et puis la qualité de l'eau, on s'aperçoit qu'effectivement c'est sous les prairies et sous les vaches du coup qu'il y a la meilleure qualité de l'eau. C'est aussi une méthode d'entretien des paysages, de vie sociale des territoires, et tout ça c'est vraiment des enjeux qu'on doit défendre. Depuis 2017, Interbev travaille sur ce sujet-là, notamment à travers le pacte sociétal, donc qui réunit différents leviers, notamment l'environnement, le bien-être animal, l'aspect social par tout ce qui est rémunération de l'éleveur et de chaque maillon de la filière. Donc ça, il y a encore un peu de taf à faire. Surtout moi qui est éleveur, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Et puis aussi un aspect qui est hyper important, qui est la nutrition. Et aujourd'hui on s'aperçoit que tous les sujets, il y a vraiment des choses très très importantes sur l'environnement. J'ai cité deux choses, sur le bien-être animal, il y a différentes directives européennes et différents textes qui sortent. Sur la nutrition, effectivement, mais c'est pareil, il faut suivre toute l'actualité, il faut participer à des salons, il faut suivre tout ce qui est travail sur les recommandations nutritionnelles, et là aussi, on doit aussi être présent pour mettre en avant le bienfait de la viande et le fait qu'il faut consommer aussi de la viande, alors pas que de la viande, c'est aussi dans nos slogans qu'on dit toujours Interbev, donc c'est très important de manger de la viande, mais avec, il faut aussi manger quelques légumes, c'est quand même mieux. Et puis sur l'aspect social, ben on a fait deux mots ce matin sur les assises du bœuf, où on va dire que pour l'instant on a sifflé le coup d'envoi et on n'a toujours pas transformé l'essai, donc il faut qu'on continue sur ce sujet-là. Et puis du coup sur l'aspect environnemental, et ben c'est clair qu'aujourd'hui on est vraiment sur le sujet réduction des gaz à effet de serre. En ce qui nous concerne, nous c'est 5 millions, mais je pense que je laisserai Christelle le présenter après. Enfin, elle ne sera pas toute seule pour le présenter, mais ça viendra juste après. Donc on a effectivement une réduction à faire. On a engagé un chantier. On a déjà des vrais atouts qu'il faut nous faire reconnaître, enfin qu'il faut qu'on fasse reconnaître par tout ce que j'ai dit sur la prairie notamment. Donc on va avancer sur ces sujets-là. Il faut qu'on montre demain vraiment que l'élevage a toute sa place dans notre pays, que l'élevage durable a toute sa place dans notre pays. Et c'est pour ça que sur la feuille de route que vous allez voir juste après, il n'est pas question de baisse de cheptel. C'est pas un pari qu'on a fait, c'est vraiment on va dire un enjeu pour maintenir nos prairies tout simplement. On est déjà, et on l'a vu ce matin, un chargement de 1,06 UGB par hectare de SFP, donc c'est hyper important de ne pas baisser plus bas. Donc l'idée c'est vraiment de garder un cheptel, alors on dit comme à l'image 2024, donc il y a forcément une petite baisse, mais bien évidemment pour conserver un maximum de prairies, essayer d'en regagner un petit peu. Et puis en contrepartie aussi, c'est important, et depuis quelques mois dans la bouche de nos élus, le mot souveraineté
est arrivé. Et donc, si on veut continuer ou alors regagner un petit peu de souveraineté alimentaire, il faut qu'on garde aussi ce cheptel reproducteur, enfin ce cheptel allaitant, parce qu'on le voit et on en a parlé, quand on baisse notre cheptel, la consommation étant plutôt stagne, plutôt à l'identique, plus 0,5, moins 0,5, on s'aperçoit que ce qui fait, si on a moins de viande sur le territoire, c'est de la viande d'import qui rentre. Et ça, clairement, on n'arrive pas encore à quantifier, d'ailleurs, dans la planification écologique, les gaz à effet de serre que cette viande d'import importe en France. Donc c'est aussi un des soucis, un des enjeux. Hein, c'est ce qu'on martèle constamment à nos politiques, à nos ministres. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Vous allez le voir juste après un petit peu ce qu'on a essayé de travailler en gardant, en se disant que la baisse de cheptel n'était pas une solution pour réduire les gaz à effet de serre. Mais qu'il fallait bien tout compter et puis faire en sorte que demain l'élevage durable français soit reconnu nationalement et puis plus loin au niveau européen, au niveau mondial. Et quand on voit tous les enjeux qu'il y a sur les accords de libre-échange, c'est pour ça qu'on est un peu sur tous les fronts et que c'est hyper important que toutes les petites briques aillent dans le même sens pour faire en sorte qu'on sauvegarde cet élevage-là. Voilà. Merci Guillaume pour ces explications et l'engagement que tu mènes donc auprès d'Interbef pour faire valoir l'importance de ces enjeux sociétaux. Au niveau d'IDEL et dans le travail qui est engagé aujourd'hui, on a une pleine conscience tous de la montée en responsabilité sociétale environnementale. On parlera de la RSE et on parlera de la RSE avec une obligation pour les entreprises aujourd'hui de plus de 2500 salariés, c'est ça, voilà, de rentrer dans une mesure de valeur avec des éléments d'externalité. On est dans une chaîne de valeur et on est toujours quelque part le client de quelqu'un et le fournisseur de quelqu'un. Et moi j'ai du mal à imaginer que dans le monde de demain, où on aura des potentiels clients qui seront engagés en RSE, il n'est pas un regard, on va dire, tenu sur leurs fournisseurs et sur ce qu'apporteront leurs fournisseurs pour leur propre RSE. Ça veut dire concrètement comment on crée cette chaîne de valeur. Ça veut dire comment on mesure les externalités. Et tu as évoqué un ensemble de domaines. Je rajouterai, parce que tu l'as un peu moins évoqué, la biodiversité, qui est un élément important, où je ne l'ai peut-être pas bien entendu, mais voilà. Donc, un élément important, il faut qu'on ait des éléments de mesure. Et IDEL, à cet endroit-là, doit nous aider à être sur des éléments de mesure, mais très factuels, très objectifs. Non pas pour se dire, on peut aller jusque-là, c'est pas ça la finalité. C'est comment on mesure aujourd'hui l'existant. Parce que la progression, c'est bien, mais la reconnaissance, c'est mieux. Et je pense qu'à cet endroit-là, et tu es complètement dans... On va dire, on partage le même point de vue là-dessus. On a un travail, un chantier énorme à ouvrir. Mais moi, je veux juste alerter tout le monde sur la nécessité de rentrer vraiment sur ces objectifs-là. Parce que dans la chaîne de valeur de la RSE, si on n'est pas à la bonne place, on n'existera pas dans l'écosystème de demain, parce qu'on n'amènera pas cette valeur ajoutée. Voilà. Donc, comment on va mesurer les externalités ? Mais c'est un monde. Comment on va se les rémunérer ? C'est un autre monde. Je ne vais pas rentrer dans le débat, voilà, on a déjà abordé avec certains la problématique de la comptabilité triple capital ou multicanaux. Voilà, donc je vais juste le poser pour dire que ça existe. Mais on a vraiment une étude à faire et que l'élevage soit en première ligne à cet endroit-là. Parce que s'il y a bien un domaine qui doit faire valoir ce qu'il fait aujourd'hui sur les externalités, sur la pertinence d'une valeur ajoutée sur la RSE, c'est bien nous. Voilà, donc le chantier est ouvert. Ce que vous allez nous montrer cet après-midi est un début, hein, une introduction au chantier, mais j'espère que dans quelques années, on pourra montrer la valeur ajoutée que ça a apporté à nos entreprises. Et je vais juste ramener sur le dossier précédent, celui du capital. Et si on n'arrive pas à assurer un financement de notre capital d'entreprise demain par ces leviers-là, je ne sais pas comment on va y arriver, mais je crains que le marché, à lui tout seul, n'y arrivera pas. Voilà, donc allons chercher, au bout du bout, la chaîne de valeur. Et là, je pense qu'on aura poser une positive attitude qui amènera du résultat, parce que c'est bien l'ambition du jour, hein, c'est trouver des solutions. Donc on est là pour essayer d'y réfléchir et d'ouvrir des chantiers, et si possible, de les amener au bout du bout. Merci beaucoup, Guillaume et Marie-Vanne. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur discours, leur position.